Yo les gens qui viennent de vous dans la vidéo sur Dragon Ball Dinner Z qui sera l'épisode 1. Et cet épisode je vais l'appeler l'arc Saiyajin. Quand on va jouer jusqu'à on arrive aux missions sur Namek. Et voilà. Aussi j'ai pas voulu activer mon intro maintenant parce que je me suis dit si je l'active et que mes abonnés n'aiment pas mon intro. Tiens, peut-être que vous avez vu, déjà je sais qu'il y a une personne qui a, enfin, je vais vous dire si vous avez vu mon nouvel intro, j'ai fait une vidéo sur ça. Et pour ceux qui veulent savoir comment je l'ai fait, je l'ai fait avec Char Factories. Et franchement, ça a duré vraiment beaucoup de temps. Vraiment beaucoup de temps. Voilà, dis-moi dans les commentaires si vous aimerez une nouvelle intro ou pas. Wow. Et j'ai failli tomber. Hein. Ah ouais, c'est vrai, donc là on va rentrer dans le mid town. Wow. Ah non, c'est vrai, Kulina. Kulina, je vous le dis, histoire terre ou histoire Namek? Bah terre comme d'habitude. L'histoire Namek, je l'ai fait que une fois et c'était trop nul. En fait, ça change rien. La vérité est que ça change rien, histoire terre et histoire Namek. Bon, on va passer ça rapidement, quoi. Ah oui, c'est vrai, c'était quand il était en mode maléfique, quand on affrontait Nappa et tout en mode maléfique. Ah, sauf Saiyan, défense de hauteur. Attendez, faut juste que je fasse un truc là rapide. Je viens, je vais regarder un truc. Par contre, je vais enlever le son. Non, sonnerie, ça je mets ça. Tiens, je mets ça. Bon, c'est sûr que vous allez entendre obligatoirement, mais. Tac, tac. Et puis ça, je l'ai déjà fait. C'est vraiment chelou. Ah ouais, d'accord. Ok. Bon, on y va. Regardez, il y a quasiment toute la Z-Team, il manque juste Goku. Et là, c'est la Z-Team contre Nappa, quoi. Et franchement, comment c'est pas équilibré. Déjà que moi, je bats Nappa au calme. Et Piccolo, il le bat pas au calme, il le bat. Même Gohan, je crois, il le bat, Nappa. Et ils viennent y mettre tout ça. Aussi, il y a deux trucs que j'ai changé. J'ai mis les pieds de Bido, enfin j'ai mis les choses de Bido. Je trouve qu'ils sont partout là. Et aussi j'ai mis... j'ai mis Kamehameha parfait, alors que c'est super Kamehameha, puisque... Ouais, parfait, franchement, c'est une des attaques qui m'a le plus... Enfin, que j'ai le plus aimé, genre. Non, je ne sens pas grand attaque, pour moi. Enfin, ça monte là. Attendez, il y a un truc que j'ai mis trop faire. Je viens au Kaioken. Et je viens. Kaioken Kamehameha. Mais ça, on se casse pas la tête. Attendez, si c'est Kaioken Kamehameha. Ça veut dire qu'on est dans le Kaioken normal. Vous me dites. Attendez, moi je mets Kaioken x20. Et. Imaginez, genre, je me mets en Kaioken x20. Wesh, ouais, ça a mis des trucs. Hein.
Et je fixe Kaioken comme la meilleure fois avant en même temps. Ça va être chaud, quoi. Ah ouais, c'est vrai, t'as l'air d'être Saiyan. Je m'en fous que t'es un autre Saiyan, parce que moi je suis un super Saiyan. Ok, mais faut que je monte. Mais l'enseignement intérieur, c'est beaucoup mieux que c'est du truc. Voilà, attends, tu comprends maintenant la puissance de derrière ou pas? Tu comprends pas, hein? Tu comprends pas? Allez, tu seras le couleur de famille, tu te blesses. Dès que je sens une barre de pile, le technique que je vais mettre, je vous le dis, c'est Final Kamehameha. Ouais, du moins Kamehameha, c'est pour ça que en vrai, ça sert un peu à rien. Et aussi, je vais mettre quoi? Je vais mettre. Attends, mais je réfléchis. Et si j'ai 5 barres de pile, j'ai le potentiel de vie à la de qualité, ça c'est la base. En fait, moi j'aurais dit quand j'aurais dit. En fait, c'est bon. Moi j'aurais dit, genre, il y a le Super Saiyan. Parce que regardez, Goku, certes, un Saiyan, mais c'est aussi un terrien. Il a... Moi j'aurais bien aimé que, genre, il y aurait un Super Saiyan, mais. Pour les terriens. Non, ça c'est impossible, puisque les terriens, c'est des terriens, c'est des terriens, c'est des Saiyans. Attendez. Ramène-moi un peu, en fait. Franchement, regardez, les graphismes à la base de Dragon Ball Xenoverse 2, ils sont bof. Mais quand tu viens, tu claques des ultis de contact comme ça, genre le gars il est devant toi, tu peux me claquer quand même, et parfait. Hé, mamie, franchement c'est beaucoup de graphismes quoi. Midi 34. Après là, on va devoir affronter Nappa. Ouais, justement, ça avait tenu à Nappa. Moi, j'aurais dit que là, c'est genre comme dans Naruto, je me mets à Rata Tomoroto. Genre, il y a des tenues endommagées. Par exemple, moi, je viens. Imaginons, j'ai la tenue de Black Goku. Mais imaginons j'ai la tenue de Vegeta. Genre au début ma première tenue endommagée, bah ma manche en fait. Non attendez. Je vais faire le move avec une bonne tenue. Attends. Imaginons j'ai la tenue de. Ah de Son Goku. Non, de Vegeta. Genre, ma première tenue endommagée, à mon genou, ce sera déchiré. Il y aura... à mes bras aussi, ce sera un peu déchiré. Ma première, elle sera bien sale. Après, le deuxième, j'aurai un bout d'armure qui va s'enlever, genre. Enfin, en fait, genre, j'aurai un bout d'armure qui va s'enlever, ouais. Non, je sais pas. Et après le dernier, il me reste. En fait, le dernier, ce sera la tenue d'entraînement. La tenue de Majin, en fait. De Majin Vegeta. Oh, moi, ce serait trop narre. Et genre, si vraiment, ce sera avec ma tenue, genre, la peau de bête, elle serait. Oh non, laisse tomber, en fait. Je sais pas pourquoi je dis que c'est comme ça. Oh non, t'as un nouveau combo. Enfin, pas un nouveau, mais une combinaison que je pourrais utiliser à l'avenir. D'abord, il faut que je sois à la même hauteur que lui. Enfin, environ. Voilà. Non, j'ai raté. C'est pas grave. Voilà. J'aime trop terminer les gens avec des stamina breaks. Moi, je trouve, ils ont... Il y a trop de trucs qu'ils ont pas... qu'ils n'ont pas mis dans Dragon Ball Xenoverse 2. Non mais il y a des persos qu'ils ont oubliés.
Moi j'aurais dit, il y aurait Dabra déjà. Et on dirait j'ai la toux, frère. J'aurais dit déjà il y a Dabra. J'aurais dit il y a attendez. J'aurais dit il y a qui? J'aurais dit il y a bah déjà Dabra c'est mon début. Ah ouais, mais pourquoi j'ai fait tout le temps ça moi à la flèche de haut? Je m'en bats les couilles de la flèche de haut. Allez, je vais me foutre un petit coyote une fois 3 là. Oh 5 barbecues. Oh 5 barbecues les frères. Kaioken, une fois là. Prends ça, regarde. Allez, t'as quoi maintenant? T'as quoi maintenant? T'as quoi maintenant? On l'a mis là, parce que sinon. Et le gars, il a rien compris quand je l'ai mis Kaioken une fois avant. Il dit Kaioken une fois avant, tu peux danser l'éveillé. Ouais, je mets. En fait, je crois que je sais pourquoi je fais la flèche 2. Parce que dans je sais plus quel jeu, flèche 2, c'était pour voler, je crois. Je sais plus à quel jeu, flèche 2, c'était pour voler. Avant que je monte stamina. Oh. J'ai failli monter stamina. Attendez, réfléchis, ça c'était dans quel jeu. Ah oui, c'était dans Overwatch avec une petite des anges. Genre je mettais tout le temps truc. J'avais tout le temps son multi donc. Donc je vais vous dire si vous avez plus de vidéos de d'autres jeux. Je vais faire une vidéo sur Ghost Recon War. Sauf que j'avais la démo et ça n'a pas marché. Ce jeu ça avait l'air un peu dingue. Mais bon, c'est pas grave. Ok, il va mourir. Oui, c'est tout. Cherche pas la confiance, frère. Tu vas mourir, tu vas mourir. Voilà, il est mort, n'a pas. Bien chargé son kill maintenant. Ah oui, c'est vrai, la queue, ça c'est important. Vas-y, mais lève-toi que je te chippe la queue là. Je trouve faire ça, le point n'est pas que sa queue là. Mais là, elle a pensé qu'on va lui faire partout mal. On va lui faire partout mal, parce que frère. C'est comme si, on était des Saiyans. Et on vient, on nous prend le... Parce qu'en fait, vu qu'il a un gros poids, bah ça va lui faire deux pas plus mal. Écoute, j'ai mon potentiel. Franchement, cette coupe, avant je l'avais mis à un de mes persos, mais il était tout pété ce perso. Mais il avait les cheveux noirs. Alors que dans Xenoverse 2, c'est tout, tant mieux de mettre des cheveux colorés. C'était chaud par contre. Recule, wesh. Recule. Allez, là on n'a pas le temps de niaiser. Là on n'a pas le temps de niaiser. Oh les gars, Kaioken soit en plus. Les trucs. Kaioken tient la mer. Purée, je t'ai raté. Et là, je l'ai raté ou pas? Et là, je l'ai pas raté, tu vois. Moi, je vais annuler ça. Et comme si vous auriez vu mon cucubel là. Oh non, mais je crois que vous l'aviez vu. Hein. Je sais pourquoi d'un coup j'ai voulu faire un trop gagne. Moi, je dirais une vidéo d'un Saiyajin ou Mudozi. Enfin,
En fait, je comprends même pas leur nom YouTube, pourquoi ils ont fait ça vraiment. Ça, je m'en fous. Elle a vu moi regarder leur vidéo. Ils ont fait Goku sans limite, Vegeta sans limite, Vegito sans limite, Beerus skin Akai, genre Tabe, je peux faire le Akai. Ils ont mis quoi aussi? Attendez, je réfléchis. Et mais en fait c'est bien simple de faire Golden Freezer. Tu viens, tu prends la race de Freezer, tu copies Freezer, genre. Après, tu prends du blanc et du violet, tu prends du doré et du violet. Ouais, dans le violet, tu mets ça. Écris là, c'est sérieux là. Et il reste que Guadalupe, c'est le moins fort. Enfin, en fait, non, c'est le plus fort. Ouais, non, en fait, c'est. Ouais, non, en fait, Goku, dans cette période, il battait Guadalupe, il est dernier. Parce qu'il avait Kaioken et tout là. Allez, Kaioken parfait. Wow, Kaioken parfait, là, j'exagère. Kamehameha parfait. Ouais. Ah oui. Purée. J'ai gaspillé du qui pour rien, mais t'es mort. Le gars, je lui ai coupé le cou, frère. Ah ouais. Oh, si. Attends, la même vidéo. Genre, le gars, dans Gohan, Sopa, Saiyajin Blue et tout là. Il était bien fait. Mais il était trop simple, ça le problème. Il fallait juste que tu lui mettes les cheveux bleus, que tu prennes le potentiel éveillé. Je sais pas si vous remarquez, mais quand t'as le potentiel éveillé, c'est quasiment quasiment la même charge que le SHG Blue. Donc voilà. Posé dans mon jack, je suis dans le bendo, ouloulou. Et un pérale de frappe dans les réseaux, ouloulou. Eh, c'est chelou avec ma voix cassée de dire ça. Comme si j'aime pas la voix cassée en scratch. Ok, bon, ben, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et rejoignez la Z Team. Salut!